Une bonne journée de travail qui se termine, Junior. Eh oui, n'est-ce pas? Mais avant tout, il faut bien évidemment montrer aux gens ce qu'on a fait pendant 4 heures. Oui, Oui. montre-nous, Junior. Espèce de salope, casse-toi. Bon, est-ce qu'on montrerait pas nos... Nos magnifiques créations. Voilà, bah écoute, je te laisse faire la présentation vu que c'est toi qui as la caméra. Ici, nous avons de magnifiques armoires de qualité bois avec de l'alcool, du chocolat, des médicaments et encore plus d'alcool. Ici, nous avons un magnifique lampadaire crâne pour seulement 10 bâtons et un crâne. Et regardez, et la lampe, elle tient toute seule. Ouh! Ici, nous avons pour une déco un petit peu plus spicy, un petit crâne de cerf. Ici, nous avons notre banc avec notre table pour pouvoir déjeuner en toute circonstance. Ah ouais, non, mais ici, ça graille. Même en cas d'attaque d'indigène, on pose notre boule ici, on les invite à boire un coup et tout est réglé. Waouh. Et pour terminer sur le clou du spectacle, un canapé en peau de cerf pour observer. Je te propose d'aller dormir, histoire qu'on puisse commencer la journée sur un bon pied. Ouais. Et évidemment, n'oublions pas notre magnifique Ah oui, c'est vrai. perchoir. Pour les oiseaux. Pour les oiseaux, Pour les mouettes, je crois. s'ils sont encore en vie. Attends, Ah, et bien évidemment aussi, ici on a des réservoirs à eau, des réservoirs à bûches et des abatons, voilà. Voilà, parce que comme ça on n'aura pas à couper pendant 4 heures. Voilà, comme ça les gameplays de 4 heures à base de coupage de bois, et ben sont réduits seulement à Puis, à 1 heure. mon avis, ça va vite se vider cette réserve. Mais... On la remplira en off comme d'habitude. On est que jour 7, hein. Je te prépare de... Des jambes. Du GR... Du... Non, du cerf. Qu'est-ce que tu allais dire du GHB? Du GHB. Est-ce que tu veux manger du GHB? Mais de ouf. Alors, est-ce que j'ai la permission de faire un truc nouveau? Qu'est-ce que c'est ton truc nouveau? Alors, étant donné que, je sais pas si tu te souviens, mais à chaque fois on avait un mec chez nous et qui disparaissait à chaque fois, bah, je te propose qu'on en capture un vivant. Oh! Cette fois, Ogabugan ne pourra pas partir! Exactement. Alors, faut juste faire gaffe à pas marcher dedans quand il est... Quand... Donc voilà, faut juste éviter de passer dedans, parce que sinon, en fait, bah, je crois pas que tu meurs, mais c'est rendu. Mais, bah, attends, le piège, il va marcher, viens. Et attends viens, derrière. Viens, Ogabuga, viens. Faut l'attirer. Viens. Faut l'attirer. Ah, y'en a un qui a été pris. Non, il a libéré son pote. Attends, je relance le piège. Et maintenant, tu t'appelleras Ogabuga. Ah Ah, petit con, là. Bon, alors, sinon... Sinon, ouais, qu'est-ce que c'est que ces petites maisons alors, qu'on voit au voilà, loin? Comme on a passé 4 heures à farmer le cerf, eh ben, je me suis dit qu'on allait marquer toutes les grottes qu'on a trouvées. Waouh, so genius. Oui, on va trouver l'endroit où ils tournaient des films. Je crois que c'est comme ça que ça se traduit en français. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais allons-y. Écoute. Écoute, normalement, c'est par là. Fils de pute, là. Voilà. Regarde, là, il y a de l'eau. Et tu peux la boire. Et regarde, il y a du poisson. Ou alors choper du poisson. Tu le veux? Attends, mais je le chope à la main, moi, ton poisson. Faut choper à la hache. J'en ai pris un, c'est bon. Attends, juste, il y a un mec blanc qui court à quatre pattes. Je le fume. Et... Ah, il mange ses potes. Sérieux? Bah attends, mais laisse-le faire, alors. Laisse-le charge pas. Mais il m'a donné une gifle. Putain, mais en fait, c'est grand, cette île de merde. Ah, mais cette île est super grande. C'est très chiant, mais c'est comme ça. Bah, je crois que c'est là. Mais, enfin, il me semblait pas que c'était un lac. Ok, non, c'est bon, je sais où ça. Ok, attends, on monte en haut des piliers, il y a des choses. Peut-être dans l'autre, il doit en avoir. Bon, attends, je vais regarder. Eh, mais il y a un truc au fond du lac. Oh, bah attends, on ira après. Normalement, c'est pas trop loin. Tu nous fais marcher loin, j'ai l'impression qu'on revient en arrière. Fais-moi confiance. C'est pas possible que ce soit juste ça. C'est cette valise là, le campement? Bah, c'est la question que je me pose. Il y a 5 valises là qui traînent. Ah, c'est bon, on trouve. Ah oui, ouais, je vois. Pense que c'est ça, hein. Ouais, je pense que c'est ça. Oh, du fric! Vieille marmite récupérée. Ah, t'en avais pas? Quoi, t'en avais toi? Aussi. Oui. Et j'ignore, regarde ce que j'ai pour toi. Quoi? Aïe, bon, il n'empêche que c'était quand même de la merde, hein, cet endroit. Ouais, bon, il me semblait qu'il allait y avoir au moins un peu d'objets genre scénaristiques ou une connerie style. Bah non, que dalle. Ouais, si tu veux, on construit un petit camp et on se fait une petite bouffe. Non, et ce que je te propose, c'est d'aller dans la grotte là-bas. Attends, il fait un peu noir là, je trouve. Mais oui, mais c'est pour ça que je te propose d'aller dans la grotte. Déjà de faire dodo dans la tente. J'ai fait une maison à côté, je te rappelle. Oh putain, il fait du tonnerre et j'ai froid. Mais... Oh voilà. Attends, en plus j'ai froid de base. Ah, je me suis encore foutu le feu au cul. Mais putain, mais tu con. Oh, attends, je te fais une petite. J'ai une petite jambe. Oh, est-ce qu'on irait pas dans cette grotte? C'est ainsi. Qualité junior, partir à l'aventure dans la grotte. Attends, c'est toi là qui fais ce bruit? De quoi?
Bon, j'ai entendu faire des vieux bruits là. J'espère juste que c'est pas encore une fois la même grotte qu'avant parce que. Eh, viens au moins. Ah oh, calme-toi. Parle-moi mieux. Ah, regarde. Ah, une montre. Bon, bah écoute, t'en as besoin. Mais... je me sers. Hop là, le fric. Là, déjà, hein, là, y'a un truc. C'est quoi cette merde? C'est un morceau du jouet de Timmy. Ah, c'est son pied. Oh merde. Regarde, regarde-moi. Bam! C'est du déo, frère. Faut... non! Vas-y, cours! Mais la torche humaine! Regarde, c'est le Christ. Par contre, il fait un bruit bizarre, le Christ. Hein. Oui, et là, il y a un truc, regarde. Nique le Christ. Oh putain! Tu m'as fait exprès. Et c'est un joli dessin. Je suis sûr, c'est le dessin de notre gosse, mais putain, il dessine mal. Hein. Et il y a un cœur humain! Ça, j'ai appris que ça se pétait. Encore plus de cœur humain! Bah en tout cas, mec, grosse découverte. Hein. Ouais. Mais il y a un putain de corps là. Ah oui. Oh, c'est quoi ça là-bas? Mais la corde. La... ouh, je me suis rattrapé à la corde. Putain. Espèce de fou furieux. Ça c'est pour les viewers, ça attend. Oh regarde, il y a un crucifix. C'est le même chez moi. Vraiment, j'ai le même. Eh ouais, mais c'est rigolo. Oh regarde ce que c'est. T'as pris? Ouais. T'as un recycleur d'air, ouais. Ou est-ce que tu veux aller dans la flotte? Bah écoute, est-ce que tu veux le tester? Regardez, ça va être du contenu exclusif pour cette vidéo. On explore sous l'eau. Enfin, il se passe des choses dans cette série. Pourquoi on voit flou? Parce que t'as mal fermé ton casque. Ah, ça remonte là. Ça remonte, ouais. Mais je te promets, mec, si on ressort dans le lac, je pète un plomb. Attends, j'ai été accueilli par un petit bruit d'un mec pas content. Ah, il y a des bébés. Ah! Il fait un plongeon, frère. Ils font des plongeons. Ah mais tu dois recharger manuellement ton... Oui mais là il y a une bouteille, donc ouais, essaie toujours d'en avoir 4 sur toi. Ouais. Putain, stylé par contre, hein. Stylax. C'est Stylax, ultra Stylax. Flou, mais au poil, frère. Qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que ça? C'est oh, faut mettre des cailloux. C'est quoi? Oula, regarde derrière. Ouh. Wesh. Wesh. C'est quoi cette merde? Qu'est-ce que c'est? C'est les indigènes qui ont fait ça? Il y a des qu'est-ce squelettes. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Yo les gars, t'as par contre mon gars je suis trempé hein. Regarde, y'a la Bible. Tu veux une Bible? Regarde, il prie sur la Bible. Mais l'achat! Malade! Regarde ce que j'ai en fait de tes croix. Ici c'est une chaîne! Laïka! Y'a des tentes là. Oh, y'a un petit carnet. C'est les chrétiens qui ont fait ça. Oui, c'est les chrétiens. Les chrétiens ont. Oh, la Bible! Putain, mais y'a plein de Bibles. Par contre, je suis pas sûr que les chrétiens ils avaient la défusée éclairante. C'est des chrétiens, mais niveau max. Ouais, c'est des paladins et tout. Hein. Oh, y'a un joli dessin là. Ah bah, on l'a déjà vu lui. Ouais. Enfin, lui, on a fait une rencontre IRL avec lui. On l'a explosé, ouais. Oui, c'est un détail ça. Là, par contre, on peut aller sous l'eau. Hein. Bah, écoute, go. Portez ses couilles, hein. Y'a des livres et tout. Je crois que c'est la Bible. Oui, c'est la Bible. La Bible dans tous ses états. Par contre, les chrétiens, comment ils se sont ramenés là-dedans? Je sais pas, ils avaient. Bah, suis la Bible, hein. Elle doit indiquer le chemin. Par contre, t'as un truc à manger ou pas? Ouais, attends, je te fais ça. Je t'avais dit de manger tout à l'heure. Tes vêtements. Ah merde, écoute. Oh putain, mais on est encore plongé. Bah écoute, j'ai pas retiré mon casque, du coup c'est le moment. Ouais, c'est parti. Ah, ça remonte. Ah ouais, là ça remonte. Ah bah tiens. Wow. Plou. Mais attends, mais c'est pas là où j'étais allé tout à l'heure? Si, c'est pas le lac. Putain, avec les canards. Mais les gars, et tout est lié. Eh mais gros level design dans ce jeu. Gros level design. Et il fait nuit. Et là, ça fout le seum. Carré, on dit caille de ouf. Je fonce à la maison jaune. Mais il est où notre Gabouga? Je sais pas, j'ai besoin de faire dodo. Moi aussi je vais faire une petite sauvegarde là, t'avoue que... Attends, vrai truc là. Je vais t'apprendre un truc, parce que je suis un expert sur ce jeu. Tu vois la vieille marmite qu'on a trouvée? Prends la vieille marmite que t'as trouvée. Et quand tu te mets dans l'eau, appuie sur C. Tu vois, t'as fait? Ah oui, j'ai vu. Du coup j'ai une marmite mais avec de l'eau. Voilà, et maintenant on va dans le feu. Et maintenant en fait, maintenant que t'as ça, dans le feu... Tu peux... Là... Ah, tu m'as poussé. Mais je crois que normalement ça devrait faire bouillir l'eau et après tu peux la boire. Bah écoute, j'ai mis des trucs dedans. Putain. La prochaine fois j'aurais dû lui couper la tête tant qu'il était encore là-bas. De qui? Ouga Bouga. Bah t'es pas honte? Non mais il fait chier, à chaque fois il se barre. Ah mais c'est bon, on peut boire l'eau. Bah tu vois. Bah attends, je crois que j'ai bu de l'eau avec des choses à l'intérieur. t'as fait une tisane. Tu sais, je viens de penser à un truc. Peut-être que c'est nous les barbares depuis tout à l'heure. Bah pourquoi tu dis ça? Bah regarde, le mec il est arrivé. Mais écoute, il l'a cherché. Hein. Ouais. Est-ce qu'on commencerait pas une nouvelle construction? Oh, tu sais quoi, j'aimerais bien qu'on construise genre un truc pour nous protéger parce que j'en ai marre d'avoir des visites et tout. Je suis bien d'accord. Est-ce qu'il y a des murailles?
Genre des murailles à pic, genre bien pic. Des murailles à pic. Ouais. Peut-être ça. Tu veux ça? Ouais, ça c'est bien ça. Attends, mais il y a une tête sur le... Quoi? Dans le bateau, j'avais pas vu, mais il y a une tête sur l'assiette au centre. Avec une fourchette dans la gorge. Mais j'espère que tu aimes bien couper du bois, hein, parce que... Bah écoute, c'est bien pour ça qu'on a fait des réserves. 124. 124 bûches? Oui. Tu sais comment ça va se passer? Bah oui. Sous leurs vêtements encore imbibés de l'eau de leurs explorations, Junior et Elite consommèrent leur dernier élan d'énergie pour construire une défense à leur nouveau chez eux. Arriveront-ils à terminer leur travail ou succomberont-ils à l'appel de la procrastination ?